à tous, bienvenue dans Côté Comics, l'émission où c'est toujours la fête. Sinon, on parle aussi comics, et d'ailleurs au programme aujourd'hui, on va commencer avec l'actu et les sorties comics, par moi-même. On passera ensuite à Thomas et sa rubrique J'ai lu pour vous, et on finira avec Jeff, un tout sûr, les Flash. C'est cool, non? Allez, c'est parti! On débute donc avec l'actu importante des dernières semaines. Le projet qui ne cesse de faire parler de lui, c'est toujours la suite de Man of Steel, qui accueillera aussi, on vous le rappelle, Batman et Wonder Woman. Dans les dernières infos, sachez que la date de sortie du film a été repoussée d'un an. Le film est désormais prévu pour 2016. Gal Gadot, l'actrice qui interprétera la princesse Amazon, a elle signé pour 3 films, celui-ci, Justice League, mais aussi et surtout un film solo Wonder Woman. Et deux nouveaux acteurs débarquent, Jeremy Irons pour interpréter le majordome Alfred et Jesse Eisenberg dans le rôle tant convoité de Lex Luthor. Côté série TV, c'est Flash qui est la cote, puisque le bolide écarlate aura sa propre série à la rentrée prochaine, après son introduction dans Arrow. On sait que Grant Gustin sera Barry Allen, mais 3 nouveaux personnages ont été annoncés. Jesse L. Martin sera l'inspecteur West, le père d'Iris, qui est la fiancée de Barry dans les comics. Les vilains ne seront pas en reste non plus, puisque l'acteur Rick Cosnett interprétera le détective Eddie Tone, qui selon toute vraisemblance sera le Reverse Flash, aussi connu sous le nom de Professeur Zoom, et Killer Frost sera aussi présente sous les traits de l'actrice Caitlin Snow. Avril 2014 sera le mois des grands retours dans le monde des comics. Et en premier lieu, celui tant attendu de Peter Parker. C'est Otto Octavius, alias Dr Octopus, qui squattait le corps de Peter depuis des mois maintenant, sous l'identité de Superior Spider-Man. Son règne prendra finalement fin, puisque Peter Parker reprendra le dessus avec le lancement d'une nouvelle série Amazing Spider-Man pour l'occasion, juste à temps pour la sortie du film. Ce sera toujours par le duo Dan Slott et Humberto Ramos. Un autre grand retour attendu par les fans, cette fois du côté des New 52 de DC Comics, à savoir celui de Wally West. Le troisième Flash historique était à des grands absents de ce reboot DC, laissant ainsi toute l'attention à Barry Allen. Wally sera réintroduit dans le troisième annual de la série Flash par la nouvelle équipe de Robert Venditti, Van Johnson et Brett Booth. Il sera un peu différent de la version précédente puisque Wally ne sera plus le neveu de Barry, mais le frère d'un personnage déjà introduit dans la série Flash, Daniel West. Une autre réintroduction avec celle du premier Blue Beetle de l'univers pré-reboot, Ted Kord, qui était mort en 2005 au moment d'Infinite Crisis. Il apparaîtra dans le 7e et dernier numéro de l'Event Forever Evil et rejoindra ensuite la Justice League. En vrac, 2 nouvelles séries Marvel chez les X-Men, Nightcrawler alias Diablo, de retour d'entre les morts et scénarisé par le grand Chris Claremont, et Peter Milligan qui revient enfin sur un des personnages qu'il a créé, favori des lecteurs, avec All New Doop. Avengers Assemble, la série de Kelly Sue DeConnick, s'arrêtera en mars au numéro 25. Ce qui devrait être la nouvelle série Justice League Canada devient finalement Justice League United et aura un penchant plus cosmique avec la patte de Jeff Lemire. Les films Captain America, The Winter Soldier et Guardians of the Galaxy auront tous deux droit à des prologues en comics. Prologue aussi pour la saison 9 de la série TV 24 chez IDW. Et bien avec tout ça, passons aux sorties comics. Alors que des titres comme DMZ ou Sculpt arrivent à leur conclusion, Urban Comics débute la réédition d'un autre chef-d'œuvre du coffre-fort de Vertigo, Transmétropolitan. Ce récit culte de Warren Ellis et d'Eric Robertson met en scène le très pamphlétique journaliste Spider Jérusalem qui revient à la vie urbaine après 5 ans d'exil pour tirer un portrait des plus amers et colorés sur la civilisation qui l'entoure. Abus de pouvoir, corruption, injustice qui dominent notre société, tout passera sous la plume de Spider, bien décidé à se placer comme défenseur de la vérité. Une œuvre folle et enivrante à lire absolument, sortie prévue le 7 février. Après un court passage remarqué il y a de nombreux mois et la perte de son visage, le Joker est enfin de retour. Ça se passe dans le tome 3 de la série Batman intitulé Le deuil de la famille, en référence à un deuil de la famille qui voyait à l'époque le Joker assassiner le jeune Jason Todd. Plus terrifiant que jamais sous le trait de Greg Capullo, le Joker est de retour et s'attaque non pas seulement à Batman mais à toute la Bat-Family. Un nouvel arc signé Scott Snyder, qui arrive le 14 février, pour passer une vraie bonne Saint-Valentin. Une série Marvel Now absente des magazines mensuels de Panini débarque en librairie, à savoir FF. Il s'agit de la deuxième série de la franchise des 4 Fantastiques, écrite par Matt Fraction et dessinée par Mike Allred. Avant de partir pour leur voyage à travers le temps et l'espace, les 4 Fantastiques choisissent une équipe pour les remplacer, composée de Miss Hulk, Medusa, la nouvelle Miss Chose et Ant-Man. Ils vont devoir être à la hauteur de leur nouveau rôle et gérer les jeunes génies de la Future Foundation. Une série fraîche et fun, dont vous pourrez découvrir les 8 premiers numéros dès le 5 février.
Retour sur la fameuse trilogie de la franchise X-Men autour du personnage de Hope Summers avec la sortie aux librairies de La Guerre du Messie. C'est le moins connu des trois crossovers situés entre le complexe du Messie et le retour du Messie. Il s'étend sur deux séries, X-Force de Greg Kyle et Christopher Yost et Cable de Duane Siorseski. L'équipe d'X-Force de Wolverine est envoyée dans le futur par Cyclope pour retrouver la trace de Cable qui s'est enfui avec la petite Hope pour l'élever. Ils vont rapidement tous devoir s'allier pour contrer une menace bien plus grande que ce qu'ils imaginaient. Un récit moins indispensable que les deux autres, mais qui reste de bonne qualité dans un temps plus sombre. A noter aussi qu'il sert de suite au Deluxe consacré à la série X-Force, le tout en librairie le 12 février. En bref, on notera la fin de l'event Age of Ultron, avec la sortie du magazine numéro 6, le deuxième tome de la série au penchant écologique The Massive, le tome 2 du polar fantastique de Delcourt Temps Mort, tome 2 toujours pour Out There chez Glénat, tome 2 encore pour la série historique Kamandi, ou encore la fin de la série Scalp avec la sortie du tome 10. C'est tout pour l'actu et les sorties comics. Vous avez de quoi avoir des news et de quoi lire. C'est quand même parfait. Hein. On se retrouve donc très bientôt, dans deux semaines, j'espère, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis très très heureux car je vais vous parler enfin d'un comics que j'aime énormément. Il s'agit de Transmetropolitan avec Warren Ellis au scénario et Derek Robertson au dessin. Alors, Transmetropolitan, c'est une série futuriste dans laquelle on va en fait suivre les dérives sociétales et politiques qui pourraient nous arriver. Et on va suivre ça à travers un journaliste, donc Spider Jérusalem, qui est un journaliste qui s'était retiré du monde parce qu'il le dégoûtait, et qui va être forcé de revenir, retravailler, refaire du journalisme, car il a un contrat honoré. Donc Transmetropolitan, c'est une série qui est très intelligente, qui pose beaucoup de questions, mais qui est en même temps très cynique, très très drôle, grâce bien sûr au personnage principal qui est complètement déjanté. Dans cette série, on retrouve deux auteurs au top de leur forme. Warren Ellis, côté scénario, qui lit vraiment un scénar vraiment excellent, avec des dialogues, des monologues hyper percutants, hyper drôles. C'est vraiment du grand grand Warren Ellis. Côté dessin, on retrouve Derek Robertson qui vraiment, je pense, fait également extrêmement plaisir car il livre des planches de toute beauté, remplies de détails, absurdes, vraiment, vraiment assez originales et hyper fouillées. C'est vraiment magnifique. Elle est rééditée aujourd'hui chez Urban. Je remercie Urban parce que l'édition est super belle. Ce sera une histoire complète en 5 albums. Donc l'édition est cartonnée, il y a des bonus, c'est pas très cher. Il faut vraiment, vraiment se précipiter dessus parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. En gros, les Flash, ce sont des mecs habillés en rouge qui courent très, 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 très vite. Mais bien sûr, ça, c'est le gros résumé. Maintenant, on va détailler un peu plus. Alors c'est vrai que ce sont des personnages dont on a très peu parlé dans l'émission jusqu'à présent. Et en plus, c'est pas forcément facile parce qu'ils sont un peu comme les Robins, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal. Et du coup, lorsque l'on débute, c'est assez délicat. Pour les règles générales, ce sont tous des personnages dont le super pouvoir principal est la vitesse, donc. Ils tirent tous leur pouvoir de la force Vélos ou Speed Force en VO. Le nouveau Flash court plus vite que l'ancien et développe de nouvelles capacités. Suivant qui est Flash, il peut par exemple courir sur l'eau ou à la verticale, accélérer la cicatrisation des blessures, créer des mini-tornades en tournant sur lui-même, faire vibrer ses molécules pour traverser la matière, etc., etc. La dernière capacité développée date d'il y a quelques mois lors du New 52, puisque Flash semble être à présent capable d'anticiper de quelques secondes, mais c'est déjà pas mal, hein, ce qui va se produire, mais également de faire vibrer les molécules des objets qu'il touche pour qu'ils puissent eux aussi traverser la matière. On sait pas trop si c'est logique, mais c'est pas grave, c'était trop terrible à lire. Alors à présent, attaquons vraiment les Flash. De l'ordre chronologique, le premier Flash, celui de l'âge d'or, c'est Jay Garrick. Il est apparu en 1940 dans Flash Comics 1. Il est assez reconnaissable parce qu'il n'a pas de costume rouge, mais juste un haut rouge avec un éclair au travers. Il a aussi un casque avec des petites ailes toutes mignonnes.
Longtemps le seul et unique Flash, il devient par la suite l'un des fondateurs de la JSA, dont le but est, pour les super-héros dits seniors, d'aider les plus jeunes à maîtriser leurs pouvoirs. Justice League. Celui de l'âge d'argent, c'est Barry Allen, qui est sans doute le plus connu et le plus apprécié de tous les Flash. Créé en 1956 dans Showcase 4, il est LE super-héros de la gigantesque crise de DC de 1985, Crisis on Infinite Earth, qui met en avant l'anti-monitor, qui va bousiller tous les univers parallèles un à un. Barry Allen se sacrifie pour sauver ce qui reste des univers lors de cette crise, avant de revenir à la vie lors de Final Crisis. Il est également membre de la Justice League. Le troisième est le neveu de Barry Allen, à savoir Wally West. Il est l'un des quatre Flash, mais il est surtout connu pour avoir été le premier Kid Flash, qui est en gros ce que Robin était à Batman. Il était alors le bras droit de Barry Allen et l'un des fondateurs des Teen Titans. Il reprendra le titre de Flash qu'après la disparition de Barry Allen. Il apparaît pour la première fois dans Flash 110 en 1960. Dernier Flash en date, hein, je précise bien, Bart Allen, qui est un descendant de la famille Allen venu du 30e siècle. Alors il a porté dans l'ordre le nom d'Impulse, lorsqu'il a débarqué à notre époque, puis le nom de Kid Flash lorsque Wally West est devenu Flash. Ce n'est qu'ensuite qu'il est devenu le 4e Flash. Voilà, c'est à peu près tout pour les personnages ayant porté le nom de Flash, mais sachez qu'il y a d'autres personnages dans la Flash Family, comme Jay et Iris West, qui sont les deux enfants de Wally West et Linda Park, Iris West qui porte également le nom d'Impulse d'ailleurs. Il y a aussi Jesse Chambers et Max Mercury qui, eux aussi, ont un lien avec la Force Véloce. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook. Bonjour Julien. Elle est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dessus sur Facebook? On est sur Facebook. Il y a nous, il y a Côté Comics. C'est pas mal déjà. En tout cas, moi, j'aurais envie d'y aller. Ok, bon, je pense qu'avec ça, c'est plutôt clair. Tout le monde va avoir super envie d'y aller, quoi. En tout cas, on vous y attend avec grand plaisir. Ciao, bisous.